Est-ce qu'il y a de meilleur? Donc, prier sur le prophète, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, il faisait la compétition pour écrire les meilleures prières et les meilleures salutations. Les meilleures salutations, c'est quoi? C'est les louanges sur le prophète Mohammed. L'amdah nabawi, les panégyriques. Comment le saluer? Et prier les prières. Et Sirin Touba a écrit les meilleures prières et les meilleures salutations sur le prophète Mohammed. Quand tu prends Muqaddamat al-Amdah, quand tu prends Jazb al-Quloub, quand tu prends Mohab Nafa, quand tu prends Midadi, tu ne vas pas trouver leur égal. Donc, non seulement la beauté littéraire, la lexicographie, le ma'ani, les sens des mots, les secrets qu'il y a dedans, et la valeur poétique, la puissance linguistique et prosodique, poétique de Khadim Rasoul, c'est qu'il maîtrise la langue arabe mieux que n'importe quel savant du monde arabe, des anciens et des contemporains. Personne ne peut rivaliser avec Khadim Rasoul dans la langue arabe. Et la langue arabe était sa propriété. Et c'est Allah qui lui a donné cela. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cela. Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui ont donné ce pouvoir sur la langue arabe. Et c'est là que se joue le patrimoine de Khadim Rasoul. C'est pour ça que quand quelqu'un qui maîtrise la langue arabe, il lit les qasaïd de Sirin Touba, il n'a plus de doute. Il sait que là, il a affaire à un cas exceptionnel, hors norme. Même une fois, Khadim Rasoul a expliqué une chose extraordinaire dans un vers qu'il a écrit, et que Sirin Touba, il a dit que c'était l'un des meilleurs vers qu'il a écrit, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui a dit de changer le vers. Sirin Touba a écrit « Haz al-Rasoul min al-Ilahi » ما لم يعلم إلا الذي خاطبه إلا الذي إلا ذو اللوح والقلم. Le premier vers qu'a écrit Sirin Touba. Le prophète l'envoyé, Rasoul, il a dit, l'envoyé a reçu du Seigneur ce que ne connaît que le maître de la tablette et de la plume et de la tablette gardée, lawh wal qalam. Le maître, qui est le maître du lawh et du qalam? La tablette gardée, lawh et le qalam, qalam al-a'la, par lequel Allah a créé la création, a écrit ce scénario de la création. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu lui dire de changer. Il lui a dit, « Haza al-Nabiyyu min al-Ilahi ma lam ya'lami illa alladhi khatabahu bi kalimi. » Au lieu de l'envoyer Rasoul, Nabi, il a dit, pourquoi? Parce que Risala, elle finit avec sa mission, c'est une mission. Alors que le Nabi, le prophète, était Nabi avant que Adam soit créé. Kuntu Nabiyan wa Adam bayna at-tini wal-ma. J'étais prophète, Nabi, alors que Adam était encore entre l'eau et l'argile. Il n'a pas encore été créé. Et même après son départ, il est toujours Nabi. On va le trouver là-bas, Nabi. Mais le Rasoul, sa mission est finie. Il a délivré ce message. Donc, Haza al-Nabi ou min al-Ilahi ma lam ya'lami illa alladhi yukhatibu bi kalim. Le prophète a obtenu du Seigneur, de son Seigneur, ce que ne connaît que celui qui l'interpelle par mes propos, par mes écrits. Qui interpelle le prophète par les écrits de Sirin Touba? C'est Allah. Donc, Sirin Touba était la plume d'Allah. C'était Dieu qui lui dictait. C'est quand Allah, inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, Allah et ses anges prient sur le prophète. La plume de Sirin Touba,
servait à Allah et aux anges de prier sur le prophète Mohammed. C'est pour ça quand il dit « Iza katabtu tazza arshul baqi » quand j'écris le trône du Seigneur sur sol. Et il dit dans certains de ses passages comme « Ibn Nawaf » il dit les houl'in, elles les chantent. Là-bas, quand on va aller là-haut, on va les entendre chanter. Les houl'in, ils chantent ces chassaïds, les chassaïds de Sidi Touba. Les anges chantent les chassaïds. Au paradis, on va entendre les chassaïds de Sidi Touba. Il y en a qui sont inscrits sur le arche du Seigneur, le trône du Seigneur. Donc, c'est une autre dimension. Pour ça que les mourides, partout où ils sont, quand ils chantent les chassaïds, ils attirent la bénédiction, la baraka. Et tu vois partout où ils sont les mourides, il apporte la paix, il apporte la baraka, il apporte l'entraide, il apporte la solidarité, il apporte... Jamais les mourides ne font de problème, ils sont toujours partout. Tu vois, si tu voyages, moi je voyage, je vais dans beaucoup de chorales à l'étranger, tu vois dans tous les pays les mourides sont respectés, partout. Aux États-Unis, on donne l'exemple des mourides, beaucoup de mères. Dans le maire de Harlem et d'autres, ils donnent l'exemple des mourides là-bas. Regardez cette communauté, comment ils... Dernièrement, il y a eu les attentats, quand il y a eu les Twin Towers, les tours jumelles. Tous les musulmans se cachaient. Ceux qui portaient un nom musulman ou une allure musulmane, ils se cachaient, ils avaient peur. Les mourides, ils sont sortis à Central Park, là, ilallah, là, ilallah. Les gens étaient étonnés. Ça fait deux jours ou trois jours, quand a commencé le Ramadan, les gens priaient dans Central Park. Les musulmans, les gens étaient étonnés. C'est passé dans toutes les télévisions du monde. Les musulmans maintenant n'ont plus peur. Alors qu'avant, ils avaient peur. Maintenant, ils prient dans la rue et ça était très apprécié. Même en France, on a fait des débats à la télé pour dire, regardez les Américains, comment là-bas les gens prient, les apprécient, et ici on fait des problèmes parce que les gens prient. Si on faisait ça aux Champs-Élysées, les gens... Alors qu'à New York, il y a eu les attentats, et pourtant, regarde, les gens prient. Quand le musulman est fier de sa religion, et il la porte bien, avec des valeurs, parce que la religion, c'est pas seulement prier ou jeûner, mais c'est des valeurs, une éthique, une morale. Un musulman ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas, ne fait pas des choses répréhensibles. Il s'abstient des interdits, il fait les obligations, il a un bon caractère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus proche de moi, le jour du jugement, sera celui qui a le meilleur caractère. N'a pas dit celui qui prie le plus ou qui a la plus grande barbe ou qui porte ceci ou qui porte cela. Mais celui qui a le meilleur caractère. Donc le musulman doit être noble, il doit avoir un bon caractère, joyeux, il aime tout le monde. Quand on le voit, il inspire la paix, il inspire la bonté, la gentillesse. On veut l'approcher. Pourquoi partout aujourd'hui dans le monde, quand quelqu'un il voit un musulman, soi-disant... il s'habille à la sunna avec une tenue, les gens le fuient. Parce qu'on a associé islamisme et terrorisme. Les gens, c'est pas la tenue qui est importante, c'est le cœur qui est important. Allah ne regarde pas nos formes, il regarde nos cœurs. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit souvent. Allah ne regarde pas vos corps et vos formes, il regarde vos cœurs, il contemple vos cœurs. Donc le musulman doit travailler. C'est ça la spiritualité. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être là. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la spiritualité. La religion, chacun peut la faire à la mosquée, chez lui, à la maison, prier, jeûner. Mais là, ce qui réunit les gens, c'est l'amour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de l'islam, l'amour de nos chers qui nous ont instruits dans cette voie, qui nous ont donné l'exemple. Donc, voilà ce qui est extraordinaire, c'est que ces réunions se font dans l'enceinte de l'université. Et chanter les chassaïds de Sidi Touba apporte la paix,
apporte la bénédiction, apporte les grâces, les dons divins, l'agrément d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit, il n'y a pas de plus agréable pour Allah et son prophète que les écrits de Sirine Touba. Il n'y a pas de meilleur écrit révélé, de paroles révélées pour les humains que le Coran. Le Coran, c'est la parole divine. Il n'y a pas mieux. Mais il n'y a pas de meilleure parole élevée par les humains pour Allah que les écrits de Sirine Touba. Les qasaïds de Sirine Touba, c'est Allah et son prophète qui l'ont attesté. Sirine Touba l'a dit et il a dit, Allah atteste ce que je dis. C'est pour ça qu'on a dit, il faut mesurer les paroles de Sirine Touba et les évaluer à leur juste valeur. Donc quand il affirme cela, il dit, Wallahu alama akhulu wakil. C'est pour ça que les mourides, quand ils chantent ces qasaïds, ils font baigner leur environnement dans cette bénédiction. Où Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réjouissent d'écouter ces chants écrits par Sirine Touba, dédiés à Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en réponse et en soumission à l'injonction divine, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez le meilleur salutation. Donc c'est un acte d'adoration de chanter les qasaïds de Sirine Touba. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas mourides, ne comprennent pas ça. Ils disent, ah, les mourides sont tellement attachés aux qasaïds, ils chantent plus les qasaïds plus que le Coran. Ils ne s'occupent pas du Coran, ils s'occupent des qasaïds. Non, ça n'a rien à voir. Le Coran, c'est un enseignement, c'est pas un chant. Le Coran, c'est pas un chant. On ne chante pas le Coran. On lit le Coran, on médite le Coran. On essaie de comprendre. Le Coran, il y a des paroles qui vont te laisser abattu sur place, où c'est des menaces divines. Et d'autres qui te font réjouir parce que ce sont des promesses divines pour les croyants. Donc, quand quelqu'un il lit le Coran, il doit être sérieux. Il doit comprendre les paroles divines. Allah, il a des promesses et des menaces. Et il nous raconte des récits des prophètes anciens ou des peuples anciens pour qu'on se rappelle. C'est un rappel, dhikr, le Coran. Ce qui s'est passé aux anciens. Où sont le peuple de Noé, d'Abraham, de Moïse, des pharaons, où sont passés les peuples anciens? Voilà ce qui leur est arrivé. Parce qu'ils n'ont pas... Non? Pour que ça ne nous arrive pas pareil, pour comprendre l'ibra, la leçon. Donc c'est un enseignement le Coran, c'est pas un chant. C'est pas... On en fait des concours de chants, non. Les qasaïds de Sirine Touba, par contre, c'est des chants. On les chante, c'est des chants de louange. C'est ça qui est la différence. Donc quand les mourides se réunissent pour chanter les qasaïds, ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de faire plaisir à Allah et son prophète, et eux-mêmes ça élève leur spiritualité, ça élève parce qu'ils vivent cela. Et moi je suis toujours étonné d'une chose, qu'il y a beaucoup de mourides, et puisque la majorité même, qui lisent les qasaïds, qui chantent les qasaïds sans comprendre les mots, et pourtant ils vivent cet état spirituel. Il y a du battre, parce que moi je le dis souvent, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de mourides qui s'ils savaient le sens de ces mots-là, beaucoup, leur cœur, il va flancher. Beaucoup vont mourir sur place. Barakat Sirine Touba. Voilà. Tu vois, le poids des mots et le sens, là, beaucoup de gens, en les chantant, s'ils comprenaient les mots, ils restent sur place. Parce que ce sont des... Alors que tu les vois dans le hal, alors qu'ils ne comprennent pas le sens. Parce que c'est le batin, c'est agi. Parce que même le rythme, ça a été donné par Sirine Touba. Il dit, même les hurlain, les anges, les chantent dans les cieux. Quand on dit, j'écris le trône du Seigneur sur Sot, ça veut tout dire. Il dit encore Sirine Touba, إِذَا كَتَبْتُ تَبَسَّمَ الْمِصْبَاحُ وَفَرَّ إِبْلِيسُ لَهُ نُبَاحُ. Quand j'écris, le prophète sourit et Satan s'enfuit en poussant hurlement et cri.
Satan s'enfuit quand ce n'est pas écrit. إذا كتبت تبسم المصباح وفر إبليس له نباح. Donc pour comprendre c'est Sintouba il dit il a combattu ses ennemis qui voulaient le tuer incessamment. Il a essayé toutes sortes d'attentats contre lui par le poison, par le temps d'exécution. Ils l'ont enterré vivant, ils l'ont jeté dans un brasier ardent, ils l'ont mis dans une île lointaine dans l'océan. Ils ont tout fait pour eux. Ils n'en sont pas arrivés. Il a dit il les a combattus sans armes ni munitions. Ses armes et ses munitions étaient ses écrits. Avec ses écrits. Quand il est parti, Sirin Touba, pour obtenir ce qu'il a obtenu, il n'a demandé à personne de l'accompagner. Ni pour porter son satala, ni sa jada. Il est parti tout seul combattre. Avec ses écrits, avec sa plume et ses encres. C'est pour ça qu'il dit « Midadi wa aqlami » mon encre et ma plume. C'est en ça ses armes et ses munitions avec lesquelles il a combattu ses ennemis, il a gagné, il a obtenu d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que nul n'a jamais obtenu, ce que nul n'obtiendra jamais, et il en fait bénéficier ses talibés. C'est pour ça qu'il dit Sirin Touba, ses talibés ils commenceront à le connaître le jour où ils seront sous terre. Quand on nous enterrera, c'est là qu'on commence à connaître. Il a dit, la première chose qu'on va constater, que Munkar et Nakir, dont tous les humains, saints compris, ont peur. Même les anges ont peur de Munkar et Nakir. Ils n'ont pas à interroger mes disciples. Ils se contentent de leur connaissance de votre cher. Donc ça, c'est la première chose. Donc regarde ce qui nous a fait obtenir. Tout ce que craignent les humains, Sirin Touba les a rassurés et assurés, il a donné une assurance. Après, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Les talibés de Sirin Touba, c'est les bienheureux sur terre. Djaradjaf, je laisse la parole à... Merci beaucoup, Djaradjaf. Djaradjaf Abdallah Fahmi. Servez-lui du thé tout à l'heure. Merci Abdallah pour cet exposé. On aurait bien aimé poser des questions, mais je pense que vu l'heure tardive, on va remettre ça à une prochaine fois. Comme ça, la semaine prochaine, comme ça, on va démarrer un peu plus tôt. Et on aura suffisamment de temps pour les questions-réponses parce que si toutefois on a la chance d'avoir quelqu'un comme vous au niveau de l'université, il faut en profiter. Il a eu à clarifier pas mal de choses et je pense que ça pourrait susciter beaucoup de questions. Mais remettons ça à une prochaine fois. Et je profite de l'occasion aussi pour donner la parole à Mohamed Diagne, qui va chanter un chassida de Sirin Touba. Djezou, que Fahmi a mentionné tout à l'heure dans son exposé. Voilà un homme multidimensionnel. Fahmi, il est à l'aise sur le plan purement culturel, sur le plan religieux, sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je l'appelais Monsieur Fahmi, cher Fahmi, Abdallah Fahmi. Professeur Fahmi, et sa connaissance a été attestée par Sirin Salio. Deug yalla xam xam bu Sirin Salio attesté mom xom kan mo ci seigne wax dara ba taxna Fahmi, on est vraiment très content de t'avoir eu aujourd'hui et ce n'est que la première partie d'une longue série. Donc je donne rendez-vous à tout le monde les jeudis à venir. Donc ça, c'est la première partie d'une longue série de présentations, d'exposés que Sirin Abdallah Fahmi nous gratifiera au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop. Ar-Rahmanir-Rahim Qul huwa Allahu ahad lillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim Qul huwa Allahu ahad lillahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالله والذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ذهبت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوتي عن السيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تحبل منا ختم القرآن ورجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهل.